Les travaux de modernisation de la voirie à Kolwezi prennent de la vitesse. Au quartier Jolicite, l'avenue Chansa, située en diagonale de la direction provinciale de la DGM, subit les travaux de la pose de la bicouche après l'imprégnation par les ouvriers de l'entreprise Malta Forest jusqu'à son croisement avec l'avenue Imina Lufupa. Un sentiment de joie de la part des usagers de cette artère. Et joli cité tu vois un quartier moi et quoi qu'à négliger ça ma bande va voir la tembia à tout normal la mamie toka ya pour quoi michanga sana mais léo accès n'a pas facile mon joli site partout vraiment c'est quelque chose à louer à pas de condéléa à pas de coup ma vision est mingi coupita naï vraiment c'est bien fait na tranche court ça n'a vraiment on ne sait pas quoi dire mais mon voisin dit tout n'a pas tunga na kumpatia ma initiative ya mingi kaji tunaiona iko naendeka mzuri tunaona vile mama yako natumikisha mbele kaji yenyewe iko bien sana tunaona vile bena makashi kunaendeka ni mbio mumbio sasa tunaona sasa manda ingine iko hapo eh pui uko te kolezi kuyaka ni pori bana sasa mchezo angal vile bana mama anafanya kaji. L'avenue Chansa continue de subir les travaux en terre battue et la construction des voies de canalisation d'eau de part et d'autre de la chaussée. Il s'y est de signaler que le quartier Jolicite-Herveia regorge à ce jour plusieurs artères ayant des normes urbanistiques, une preuve parmi tant d'autres de la matérialisation au Lualaba de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le gouvernement Masuka.